noir. Xi Jinping dans j'ai fait pour encourager suspendre supporter la Russie. Une manifestation étudiant en faveur Palestine a continué dans université américaine à ce continent européen. Et puis dans pays d'Haïti, États-Unis voient équipement militaire by force de l'audio pour aider à combattre activité gang armée. Oui, c'est quelques points qui a dominé l'actualité. Bonjour, bonsoir tout le monde de Panamana qui est qui côté ou attendez et regardez en même temps vidéo ça. L'autre fois qu'on a dit bienvenue sur Channel pour une nouvelle édition La Voix de l'Amérique que nous portons pour jeudi. Après La Voix de l'Amérique, là, quelques grands points qui a dominé l'actualité que nous portons pour. Et bien, faut qu'on ait. Ministre Santé Hamas la annoncé à vendredi 26 avril 2024 là, un nouveau bilan moun qui perdit la vie dans guerre qui gagne entre Hamas avec Israël. Après ça n'a pas connait tout dans dossier qui gagne pour avec dossier Ukraine là aussi et bien ministre là aussi a annoncé qu'il yo attaqué un train lui-même qui t'a porté matériel pour Ukraine et bien en pile de gafette côté bagaille continue bagou dans pays la pays d'Haïti bout ba montrer ban tennis que lui-même li prend après il te fin casser yon store dans pays d'Haïti. Point ça a capil l'autre qu'on a gagné pour nous dans édition La Voix de l'Amérique ça que nous porter pour aujourd'hui. Mais avant même nous rentrer dans point ça, pas oublier si c'est pour la première fois que vous tombez sur channel là, tout abonnez-vous avec channel là et activez la cloche notification pour la mettre sur tout pour pas rater aucune vidéo. Pas oublier tout quitter un like sur vidéo, partager vidéo avec yon ami, yon famille, yon façon pour capable aider nous grandir communauté channel si là les que vous like vidéo et bien ou bail YouTube possibilité pour pousser vidéo à pied devant une façon pour aider nous pas perdre trop temps de parler en pile nous invite ou aller ti chez côté nous pour informer avec La Voix de l'Amérique puis devant n'a venir avec les détails pour maintenant commence à l'actualité à une nouvelle concernant seulement États-Unis mais concernant tout et Moyen-Orient, n'a dit que la police entre dans laisser frapper jeudi soir avec un manifestant qui est en faveur palestinien dans l'université État Ohio avec l'université Emory dans Atlanta, Georgie. Pendant la manifestation, a continué dans l'université dans tout le pays contre support États-Unis à bail Israël dans la guerre menée contre Hamas ou bien groupe militant Hamas qui est dans le territoire Gaza. Et il y a une manifestation tout dans New York côté responsable de l'université Columbia semblait vouloir chercher une entente avec manifestants. Serge François Michel. Université Columbia rallie back sous délai qui était fixé hier jeudi en cours de débat manifestant en faveur palestinien la nuit hier soir pour y abandonner camp sous campus là pendant plusieurs universités dans les États-Unis ont cherché à empêcher manifestants de continuer à occuper campus. La police a fait un paquet d'arrestations à l'université dans tout le pays. Parfois, ils ont servi à gaz chimique et à taser pour disperser les manifestations contre la guerre israélienne à Hamas. Le bureau président de l'Université Columbia, qui est basé dans New York, Minouche Shafik, a publié un communiqué à 11h07 hier soir. Côté de l'été, délai minuit pour manifestants, ils ont défait un gros coquin camp qui gagne à peu près 200 étudiants. Chita Kozé a montré un progrès et a continué à planifier. Nous avons exigence pas, nous, ils n'ont pas. C'est sa déclaration a dit. Il démenti que l'université a tiré la police ville New York sous campus là. Il y a un étudiant qui identifie de lui comme Mimi, dit agence France Presse, l'in en camp depuis 7 jours. Il dit, il y aurait les noms terroristes, il y a des noms violents, mais seuls outils nous gagnent vraiment, c'est voix nous. Étudiant manifestant a dit, a exprimé solidarité avec Palestiniens dans Gaza, côté bilan, monde qui mourit, dépassé 34 305, d'après le ministère de Santé à qui Hamas dirigé. Plus passé 200 manifestants qui ont protesté contre la guerre, des jeunes arrestations au mercredi, à Bonnet, jeudi matin, dans l'université dans Los Angeles, Boston, à Austin, dans l'État Texas. Côté 2000 manifestants, des rassemblés encore hier jeudi, un débattement de la police dans la ville Atlanta, dans l'État Georgie, dit, agents police qui te répondent demandent l'école là, t'es joint avec violence et t'es servi à gaz chimique pour irriter manifestants yo. Comme réponse. Serge François Michel, VOA Creole. Sur le continent asiatique là, et bien secrétaire d'État américain Anthony Blinken rencontré le président chinois Xi Jinping dans la ville Pékin, côté li encourager pour lui suspendre supporter la Russie qui a mené une guerre en Ukraine. Les chefs diplomatiques américains qui étaient visités Shanghai jeudi 25 avril là, et bien ils pas voulu répondre à une question journaliste comme quoi, et qui était posé la question comme quoi États-Unis, si États-Unis étaient capables d'imposer sanctions contre la Chine pour support la BAE et là aussi dans l'autre point qui a dominé l'actualité, que jury captant des procès et Donald Trump là dans New York, et bien il est rentré la caillou jeudi après il a fini d'entendre un témoin important dans le processus là, et bien juge ça a fini d'entendre déposition, entendre qui ça qui a passé exactement dans déposition et jugement ou bien dans déposition témoin ça il était pour faire jeudi encore dans New York.
ancien éditeur magazine National Enquirer, David Pecker, répond à plus de questions sur l'effort qu'il a fait pour bloquer tout article négatif sur Donald Trump pendant l'élection 2016. Procès sous coup de l'argent pour fermer bouche actrice pornographique Stormy Daniels pour le cacher relation amoureuse qu'il a gagné avec le candidat républicain Donald Trump, te continue jeudi vendredi. Avocat M. Tompio a cherché à démontrer pratique magazine n'a gagné pour l'acheter histoire qui défavorable avec célébrité qui a déjà existé avant même Donald Trump était candidat pour président des États-Unis. M. Pecker, qui était dirigé magazine en 1999 pour arriver en 2020, déclaré qu'il était fait un arrangement avec Donald Trump ensemble avec l'avocat Lee Michael Cohen en août 2015 dans Trump Tower dans Manhattan pour bloquer et disparaître toute histoire qu'il fit à raconter sur Donald Trump et puis informer avocat Michael Cohen qui lui-même d'accord pour aider Pecker à jouer une histoire négative contre opposant M. Trump pendant la campagne. Il y a une entente qui dit qu'il n'est bon ni pour Donald Trump ni pour lui-même. Pecker a déjà témoigné qu'il était contre travail pour Donald Trump pour bloquer tout article qui est capable d'affecter la réputation homme d'affaires avant qu'il était tourné un politicien. Pecker a déclaré qu'il était saisi et puis éliminé deux articles dans son sens et puis alerté Donald Trump, vedette film pornographique Stormy Daniels, qui a cherché dans le magazine. Non? Une histoire comme quoi il était gagné une relation sexuelle avec candidat parti républicain. Wishing my wife Melania a very happy birthday. Jusqu'à avant, ancien président est rentré dans le tribunal de la Bonne vendredi 26 avril. Il était déclaré par le journaliste. Il n'est pas capable de tendre pour journée infinie, pour aller en Floride, pour capable célébrer l'anniversaire de Madame Melania Trump. De ce ça, il est pour le fini. C'est un jugement sans fondement. Moi, je nous avons un juge qui ne peut pas permettre de dossier à finir. Je dis, c'est une autre journée dans le tribunal là qui fait frais en pile. Le commissaire New York a accusé l'ancien président qu'il était falsifié document business qu'il a gagné dans New York pour cacher 130 000 dollars qu'il était payé Stormy Daniels et puis faire le passer comme frère honoraire pour avocat Michael Cohen. Ancien président a rejeté parole comme quoi il était gagné une relation sexuelle avec des films pornographiques Stormy Daniels. Joël Philippe, VOA Creole, Washington. Émission sur la WAP gade là, ou bien peut-être là, il sortit directement dans la capitale fédérale américaine, dans Washington DC. Nous parlons dans New York, où des situations humanitaires en Haïti viennent plus mal, d'après le directeur exécutif adjoint programme alimentaire mondial là, Carl Scow, qui lui-même s'est fait une visite en Haïti, dernièrement là, Valérie Saint-Louis. Directeur exécutif adjoint programme alimentaire mondial là, Carl Scow, dans une conférence pour la presse que le Tibaye dans le quartier général des Nations Unies à Manhattan, New York, te dit que après une visite que le fait en Haïti dernièrement, que le pays d'Haïti a fait expérience une situation humanitaire qui pi mal depuis le tremblement de terre 2010 là. Carl Scow te dit que situation en Haïti a dramatique parce que moitié population, environ 5 millions de monde, en bas une grosse insécurité alimentaire. Officiel programme alimentaire mondial là insisté pour le dire. Political and security support. Si pour politique et sécurité réellement besoin matcher avec une réponse humanitaire solide, deux bagages ça yon pas capable exclusif. Faut que marcher ensemble et puis pas qu'agir succès politique sauf si nous tout profiter, mettez campé bon gens aide et assistance by peuple là. Et moi penser que ça moi te ouais souterrain en Haïti, c'est que ça capable fait dans mitan crise là, là dans Port-au-Prince, mais nous besoin tout pour nous faire plus résistance et encourager développement yo yon l'autre côté pour vraiment essayer craser sec vicieux ça. Pendant que pifo zak violence yon concentré dans capitale là, Carl Scow, directeur exécutif adjoint programme alimentaire mondial là, te dit there is displacement, there is disruption in the trade and the economy. Gen moun ki en déplacement, gen désordre dans commerce là ak économie et gen inflation. C'est comme ça crise là envahi tout côté. Mais réponse pas nous capable différencier. Ça nous besoin c'est une réponse en urgence dans Port-au-Prince, mais nous ka toujours continuer bay l'autre qualité support et faire développement dans reste pays là. Les une journaliste ont demandé directeur exécutif adjoint est-ce que programme alimentaire mondial a gain assez provisions alimentaires pour aider moun en Haïti. Il te répond pour dire que gain assez provisions pour 6 semaines qu'a venir là. Pendant visite en Haïti, Carl Scow ensemble avec directeur régional là, Lola Castro, avec directeur général organisation Jean-Marie Bauer, t'es visité un programme assistance programme alimentaire mondial là qui impliquait dragage canal yo. Yo te fait discussion parler à cultivateurs yo, partenaires locaux yo ak membres communauté yo ki kounye ap travay sou activité plantation yo. Programme alimentaire mondial la te rétabli environ 2 hectares terre agricole à travers réhabilitation ak construction canal ki gen la donne sipo pour infrastructure de l'eau ka permettre production manger yo fait pour première fois dans communauté ça. Délégation te visite tout yon coopérative cultivateur ki relé coopérative agricole et caféier Gabar Le Vaillant de Dondon, Kagava. Programme alimentaire mondial là a collaboré à coopérative Kagava dans propre programme bay manger dans l'école dans zone depuis janvier 2023 62 l'école qui totalisait plus passé 17 000 élèves recevoir produits alimentaires dans main Kagava dans 4 communes dans département Noa depuis commencement année l'école là plus passé 100 tonnes métriques céréales avec produits qui frais sorti dans coopérative là
Transition dans le programme Bay manger dans l'école dans le département de Noir a accéléré pendant la prochaine année l'école là, avec une autre 15 000 timoun que le programme là pral couvrir. Et c'est coopérative Kagava qui a absorbé le programme ça. Délégation te visite tout le monde qui est obligé de déplacer, qui vivent avec la famille qui baille, accueil avec la descente la caillou. Et puis te fait un petit parler ensemble avec eux en groupe de discussion. Dans nos pays, il y a une famille qui cible, il y a une ration alimentaire par famille pour 30 jours. Les premiers 50 familles, soit 250 moun, déjà jouent une assistance. Et le programme alimentaire mondial a déjà planifié pour aider l'autre 1363 caille dans fin mois avril. Là. Dans la municipalité Ville au Cap, quartier Morin avec Limonade. Pour VOA Creole, Valérie Saint-Louis, New York. Toujours dans le pays d'Haïti, nouvelle concernant le conseil présidentiel. Le conseil présidentiel là, mais nouvelle, ça va continuer après installation. Et 9 membres, nous avons 7 membres qui ont droit de vote, qui ont 2 qui n'ont pas droit de vote. Mais tout la question qui a posé Kounia, c'est l'effort que le conseil là, fait Kounia pour élu un coordonnateur ou un président parmi eux. Jusqu'à ce que nous arrivions là, nous avons pas rapporté que. Et le groupe là a déjà joué une parmi eux qui pour diriger le groupe ça pendant un mois ou bien encore pendant l'année qui a venu là. Des pressions tout qui a fait tout parce que d'après feuille de route que l'organisation a gagné ou bien que l'agence a gagné, et bien il a tout pour le mettre sous pied tout pour joindre un nouveau premier ministre qui pour remplacer l'actuel premier ministre là et qui lui-même, qui même là, il y a titre provisoire, et bien en époque on dit jusqu'à présent sur dossier ça. Et puis il y a un monde qui a fait suggestion pour dire qui travaille qui a besoin pour que le groupe l'a fait. Et il y en a dans eux, c'est que son sécurité. Et c'est comme ça que les États-Unis, eh bien, il y a deux avions américains qui descendent en Haïti. Hier, il y a été dans l'aéroport international Toussaint Louverture. Quand il y a déposé équipement pour PNH là, ensemble avec l'autre produit pour la nécessité, surtout produit sanitaire pour l'autorité de la santé, Emmanuel. La police nationale d'Haïtien recevoir jeudi 25 avril là, dans l'aéroport international Toussaint Louverture, un don matériel département d'État dans le pays des États-Unis. Selon la police, matériel ça a visé renforcer capacité opérationnelle institution dans l'idée pour continuer bataille contre grand banditisme sous toute forme à travers tout pays. Mardi, n'a pas rappelé qu'il s'est passé là bon premier avion cargo militaire américain qui était porté équipement pour force l'audio. Hier jeudi, il y a deux autres avions militaires qui portaient équipement chef la police à recevoir dans l'aéroport international Toussaint Louverture. N'a précisé responsable dans institution la police là pas bail aucun détail sur qualité matériel ça. PNH là, dans dernier moment, ça y est, montré au déterminé dans quatre batailles pour croiser bandits armés qui passent si fans semaine la Pérez dans divers quartiers dans Port-au-Prince. En attendant arriver force multinationale là, citoyens yo pensez l'exigeant pour conseil présidentiel de transition qui fait entrer en fonction définir voie et moyens pour résoudre problème insécurité dans le pays d'Haïti. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et concernant la force multinationale, on a dit que Kenya a déjà annoncé, le président Kenya même, M. Ruto, et bien, il a annoncé que le pays Paris pour le prendre tête et mission ça, qui est pour aider la police nationale à combattre l'activité gang armée dans le pays. Nous avons été toujours dans le pays d'Haïti concernant et, l'idée pour qu'on ait, est-ce que le pouvoir, bien encore, conseil de transition, et bien, gagner une réaction qui sortit, c'est qu'on a supporté ancien leader rebelle Guy Philippe, et bien, rencontré la presse pour exprimer opposition avec le conseil présidentiel transition. Matadou Vilmer. Faut qu'on dise, l'installation, ça va pas faire ni chaud, ni frais. 24 heures de temps après l'installation, conseil présidentiel transition. Réveil national pour souveraineté Haïti, yon parti politique allié ancien sénateur Élie Grand Ancenant Guy Philippe, fait qu'on est au campé en face conseil présidentiel là. C'est coordonnateur strict ici là, Jean-Tel Joseph, qui fait déclaration. Son combat, nous t'es engagé contre un système. Bataille contre un système, n'est pas facile. Mais heureusement pour nous, et nous battons bravo pour ça. Tout élément système, yo, yo rassemblé aujourd'hui en dedans un couleuvre qui a 7 têtes à décon. Nous tous constatons que décon, des camps CARICOM non et camps nationalistes qui nous-mêmes avons exigé une solution nationale à problème national de l'IA. Nous venons dire réveil national pour souveraineté pays à prendre tête opposition. Nous venons dire population pour nous camper gourmet autour de réveil pour nous faire triompher la révolution. Et les jours de la triomphe de la révolution, dès qu'on y a braché, cette tête a coupé. Soubopa Mekaleb Jean-Baptiste, avocat barreau Ake, dit qu'il a cité devant tribunal correctionnel, même conseil présidentiel là pour usurpation de titre. Monsieur Damsa, vous ne pas respecter la loi, vous ne pas respecter la constitution, vous faites tête au passé. Dans des conseillers présidentiels, constitution 1987 là, par jambes, je ne vois pas ça. Et dès que ça a commencé à agir, au nom de l'État haïtien, nous allons dire
L'homme a des qualités selon la Constitution, ou pas gagner pour engager l'État et nous allons attaquer plus parce que l'État est fonctionné. Pour l'autre ministre qui était la première ministre, qui par contre, ont publié dans le journal PIA, les moniteurs, ils ont chalabia. Vous entendez, ils ont été arrêtés, le conseil des ministres, ils ont été décrétés, ils ont été conservés, ils ont tout. Ou même, nous allons porter plainte pour le cabinet de destruction. Et bon, dis-nous le bagage. Est-ce qu'il y a tout le monde qui signe, qui voit le bagage ça, tout le parti politique ça, nous prenons demander juge là pour l'interdire pour aller à l'élection et tout le monde qui représente le parti politique ça pour juge là interdire parce que c'est des complices. Citoyens et citoyennes qui s'allient à l'installation du Conseil présidentiel de transition, disent pas qu'attendre pour gagner aller mieux dans la société. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massia Dovilme pour VOA Créole. Et il y a un secteur qui a demandé aller mieux, c'est un leader de religion vaudou. Et en Haïti, on a parlé de Augustin Saint-Cloud qui lui a demandé un nouveau dirigeant. Donc, conseil présidentiel transition pour agir vite en façon pour garantir la sécurité citoyenne. Oui, dans tout ça. Augustin Saint-Cloud qui a fonctionné à titre roi vaudou en Haïti qui salue l'installation de 9 membres conseil présidentiel transition. Oui, première action pour nouveau dirigeant Sayo poser, c'est résoudre le problème insécurité. Plutôt fait 10 jours grand goût, qui est content ou à l'aise, si vous avez sorti là, il n'y a pas cassé, il n'y a pas peur. Puis ça c'est première chose, c'est premier bagaille qui apprend tout le monde. Pour comprendre, champ de masque ouvri, tout côté réouvri, passage tout côté, et bien ça, Haïti décollé. Dans l'union fait la force là, dans la tête ensemble là, là, il y a besoin de Haïti tout décollé. Résoudre problème insécurité, révision constitutionnelle là, avec organisation élection générale pour renouveler personnel politique là, c'est quelque parmi plusieurs défis que le pays a dû élever. Mais heureusement, Jean, qui c'est responsable Front National Organisation pour yon Haïti stable et démocratique, dit le pas quoi dans la nouvelle équipe ça. Yon pas venu pour faire élection, vous me continuez pour empêcher d'appliquer la politique de génocide à la manière de Rwanda. Yon tellement banalisé nous, yon utilisé la CARICOM. Si CARICOM pas prendre, yon t'apprend rien. Mais tout ça, yon entre nos projets, nos dynamiques, comment permettre yon mettre le pays ça à genoux et puis pour venir voler tout ça que la donne. Pendant ce temps, situation sociopolitique et économique là a venu plus dégradée, surtout avec yon raté Kabiran qui enregistré. Depuis quelques jours, sur le marché national, ou dans tout ça, ou VOA Creole, Port-au-Prince. Ancien sénateur brésilien, n'a pas eu de Romário, qui a 58 l'année, un ancien grand football brésilien, dans l'année 87 jusqu'à 2005. Eh bien, mes amis, monsieur a annoncé que la pourrait tourner sur terre encore. C'est-à-dire qu'il a dit, mes amis, 58 ans. La pourrait tourner sur terre encore pour venir jouer des ballons avec petit garçon qui est Romarino. Nous parlons de gentil Augustin, qui a penché pour nous sur ce dossier-là. Romário, attaquant brésilien qui te prend retraite li, recommencé entraîner pour retourner après l'été fin inscrit comme joueur dans l'équipe 2e division État Rio de Janeiro, América RG à 58 ans. Lycée actuel président club ça et li paré pour retourner dans espoir 15 l'année après l'été suspend jouer. Moi dit toi ici. Le gros objectif moi ici là, c'est joindre opportunité pour jouer avec petit garçon. Moi t'étendé, moi t'éliqué non seulement dans football mais en pile athlète gain objectif ça. Ancien gloire équipe Brésil là qui te prend retraite li dans l'année 2008 et qui te vinn directeur sportif América RG dans l'année 2009, te joué 2 coupes du monde pour Brésil, li te marqué 5 goals pour aider équipe la remporter la victoire dans l'année 1994. Petit garçon li Romarinho joué tout pour América RG et li te entraîné ensemble avec papa hier jeudi 25 avril 2024 là. Moi voulais faire tout le monde comprendre que moi pas jouer dans championnat. L'idée a c'est jouer quelques minutes dans quelques matchs parce que bagay qui pi important pour América RG dans compétition ça, c'est situation technique là et pour ça nous devons entrer avec plus force. Comme moi toujours dit, li met difficile. Nous devons champion 2e division 1 pour nous ka jouer dans pi haut niveau là, dans championnat Rio de Janeiro. Après Romário te fin prendre retraite li dans football, il était vignon sénateur dans pays Brésil et puis il était dirigé investigation congrès ya sous corruption qui gagné dans football brésilien. Gen moun ka poser question pour connait est-ce que retour li dans football là pas pral empêcher le travail comme sénateur. Qui non va me attraper en nada si jouer pas empêcher me dans aucune façon. Travail moins dans sénat, c'est un travail moins à faire depuis 13 l'année. Nous même qui vraiment connaim, nous qui vraiment suivent moins, ça c'est travail sérieux. Travail qui dédié à cause qui important en dans la vie moun. Fédération Football Rio de Janeiro a confirmé inscription Romário comme joueur. Li ajoute que li pral recevoir un salaire minimum
minimum qui pral pour club là. Romario te joué plus passé 70 matchs pour pays, sorti 1987 pour arriver 2005. Et il t'a fait 56 goals. Il t'a joué 4 fois avec Vasco da Gama et il t'a joué tout pour Flamengo et Fluminense dans pays Brésil. Il t'a joué pour Barcelone avec Valence dans pays l'Espagne et puis PSV Eindhoven dans pays la Hollande. Gentil Augustin Junior, VOA Creole, Washington. Enfin, pas oublier, jeudi, c'est week-end, jeudi, c'est vendredi, donc le week-end a pratiquement, pour certains mondes, il a déjà commencé, et pour l'autre, il va commencer, surtout pour nous-mêmes qui va voir ici. Là. Mais tout n'a pas du tout, pour un peu de précaution, tout, parce que nous remercions pendant qu'on passe toute semaine là avec nous, et nous espérons pour retourner nous dire encore. Mais jusqu'à venir là, nous avons encouragé tout, pendant qu'on est en vacances, ou pendant qu'on est en week-end, pas oublier visiter et toute plateforme nous pour qu'on ait dernier point qui est censé appeler dominer l'actualité. Le vendredi, jeudi, c'est jour peut-être nous content de Serge Rodriguez, mais monsieur empêché. Il va là jeudi et nous t'a comprendre qui est-ce qui remplace jeudi. Eh bien, c'est chef service là, mes amis, Sandra Lemaire. Bonsoir tout le monde, moi c'est Sandra Lemaire et c'est moi-même qui a fait nouvelle sous vedette show jeudi. On a commencé dans New York. Magazine américain Time célébrait groupe 100 moun qui gagne plus influence pour année 2024 là 25 avril dans New York. Sous liste là, nous jouons une chanteuse Dua Lipa, quarterback football Patrick Mahomes et puis actrice Taraji P. Henson. That I'm doing something right. Il dit, je travaille bien, je respecte pour moi, je fais bon Dieu pour me servir à cadeau, l'été ben moins pour me changer monde là. Je travaille bien. Liste Time 100 pour année 2024 là, il y a 51 femmes là-dedans. Parmi eux, metteuse en scène Sofia Coppola et puis chanteuse Kylie Minogue avec Fantasia Barrino. Est-ce que Kylie Minogue sentit l'essai ou icône? It's so hard for me to answer that. Il dit, c'est difficile pour me répondre. Je ne connais pas si aucun monde sentit comme ça. Mais c'était une année iconique pour moi, donc je m'ai accepté ce titre avec un pile remerciement. Acteur et cinéaste Dev Patel t'est enchanté. C'est vraiment un bel bagaille. Bon ami moi, Daniel Kaluuya écrit un bel message que lui voyait pas moi. Je pas connais ça t'a pas écrit, il pas dit rien et puis on t'a voyagé. Nous pas parlé récemment et puis moi lis belle parole ça que le monde que moi vraiment admiré en pile écrit pour moi. Donc c'était un bagaille accablant. Liz Timela, gagne leader mondial et politicien tant que directeur de l'Agence renseignement central États-Unis, CIA William Burns, avec gouverneur État Texas Greg Abbott. Et puis, Liz la gagne champion course auto mondiale Formule 1 Max Verstappen, joueuse basketball Aja Wilson, et puis icône mode et art visuel Jenny Holzer avec Tory Burch. Mais ça, Burch dit sous accomplissement. Well, listen, if I can be a bit of a role model for women, I'm capable of inspiring entrepreneurs and women. I'm content. Investing in women is the best investment you can ever do. And if we do that, it will change the society and the economy. Incroyable. Women are incredible. Jules de Ronce Kounia dans Miami. C'est samedi qui s'est passé là que groupe musical Mood Music Band qui gagne en tête li maestro chanteur compositeur Sanders Solon fait grande première ligne dans Miami. On a constaté présence artiste invité Carlo Vieux de Karimi avec artiste solo Fatima Altieri qui était partagé podium là avec Sanders. Après performance li, nous demandé artiste là qui raison qui fait le jazz là Mood. Donc parce que Mood signifie énergie, il signifie positivité and you know we chose that parce que we want to garder Mood là je dis là. Quatre monde content, you know? So that's the reason. N'a fait songer que Sanders Solon c'était ancien musicien fondateur groupe musical Harmony. Nous demandons à l'artiste là, est-ce que le possible pour Melo Magno capable de vivre une soirée harmonique, Mood, en 20 ans? Nous n'avons pas rien contre personne, nous n'avons pas de animosité, c'est la musique qu'on fait, la vie continue, bon gars, ça joue tout le monde vivant, tout le monde travaille. Why not, you know? I'm ready, let's go. L'autre nouvelle pour aujourd'hui, hein, Deli François, chanteur groupe musical System Band, annoncé dans micro VOA Creole que désormais, il est maestro System Band dans l'État Floride. Faut me dire ça, Lucien Serrin, empêché, il y a des problèmes de santé, Madame Jeanne Doubi, Madame Maestro Doubi, qui c'est ma manager jazz là, nous fait nommer comme maestro. Pour toute nouvelle sur business musique haïtienne dans l'État Floride, non pas, c'est Jude Onske pour VOA Creole,
l'autre information que nous portons pour après édition La Voix de l'Amérique, c'est là qu'on a fait qu'on est plusieurs citoyens haïtiens, sécurité, ses priorités après installation du conseil présidentiel, 9 femmes là dans la tête pays haïtien, ça qui trouvé dans la deuxième ville pays d'Haïti qui se cap haïtien, et bien on dit sécurité. Pays a ses priorités après installation conseil de transition lui même qui était fait le 25 avril 2024 là conseil présidentiel là il gain pour mission mettre stabilité dans pays a et puis qui ravagé avec violence gang qui lagué dans un désordre totalement avec misère dans pays d'Haïti pile monde dans pays a qui bail opinion yo même pour dire que conseil là il pas présenté yo ke yo même yo gen doute sou li takou Merilis Miti li même ki di li pa reconnaître autorité conseil présidentiel la et que l'état essayé bay si Paul pour ancien policier haïtien Guy Philippe pour prendre tête pays li même c'est ça le fait qu'on est gen Guy Philippe li même qui t'ai mené yon coup d'état en 2004 côté yo t'ai quitté Jean-Bertrand Aristide yo t'ai fait quitter pays a et même qui t'a retourné là dans les Caraïbes là après il t'est fin passé yon sentence prison dans pays les États-Unis déjà dit li vle vinn président pays a premier ministre haïtien qui t'est Ariel Henry lui-même il t'est fin annoncé démission li dans tête pays a et bien date mercredi qui le 24 avril qui s'est passé là et qui c'est qui les sur réseaux sociaux yo pendant redi ministre finance Ariel Henry lui-même qui t'est Michel Patrick Boisvert et bien l'été qui est boss ministre là côté l'été après le remettre avec conseil présidentiel la violence gang même qui c'est un problème en Haïti et bien depuis plusieurs années là qui augmenté dans commencement année ça qui se passé à la côté bagaille vinn pire plus passé 2500 moun mouri ou soit blessé depuis janvier jusqu'à mars qui c'est une augmentation 53% comparé avec trois derniers mois qui sont passés dans l'année 2023 d'après dernier chiffre qui sont dans bureau intégré Nations Unies en Haïti qui c'est bini situation sécurité à la cause des milliers de monde qui quitté caillou même pendant l'autre a souffrir grand goût par rapport yo pas capable venir la manger mais pourquoi il est là en pile haïtien dans zone cap haïtien faut connaître sécurité à qui priorité yo pas gain rien yo en plus sinon c'est bail sécurité pendant ça n'a faut connaître gang bout de balle même cap diriger dans zone Mariani et même c'est continuer après le fin casser maquette casser ou bien saisir pompe bail gaz babri et bien pourquoi il est là monsieur lui même qui casser un store en Haïti côté là montrer en pile tennis dans une vidéo qui virale sur internet là et bien c'est pas des tennis bout de bas à montrer Mac Gucci Louis Vuitton yon bonne Mac et bien lui même ni fait qu'on est li casser store li pas faire remet et bien nèg ça yo parler qui était rien fonctionner dans pays là parce que dans dernier jour ça yo là bagarre là li paraît plus compliqué qui rentrer dans temps avant n'a quitté pays d'Haïti pour nous traverser dans pays les États-Unis après pour nous font tourner et bien pays États-Unis bagaille tout yo pas tellement trop facile là yon juge fédéral américain li rejeté avant jeudi a appel Donald Trump li te fait compte verdict yon procès diffamation qui était sorti en faveur Jean Carroll lui même qui était kon écrit chronique dans journal qui te dit que ancien président lui même li te lagué verni sous li après accusation que monsieur te violé li et bien ça gagne des dizaines de l'année juge district fédéral Lewis Kaplan lui même dans Manhattan li rejeté demande Trump te fait pour ta réjigil Kalia ou bien éliminer dossier ancien chroniqueuse là elle la net là lui même il fait qu'on est rejeté tout parole comme quoi dédommagement que jury a lui même était décidé pour Carole là était trop haut et bien que irait dans procès civil là lui même était la cause yon verdict qui pas juste et donc Trump a reporté un appel verdict là ensemble avec décision avant et j'ai dit qu'il s'est passé là continuer à passer mauvais moment en bas mais la justice pays les États-Unis toujours dans dossier Donald Trump là et bien Cousi Kremna semblé ou même yo gen doute sur question immunité et bien que yon président capable gagner contre procès criminel et bien Cousi Kremna États-Unis assemblé tout gen pile doute sur parole ancien président Donald Trump lui-même qui dit li gen protection absolue contre procès criminel pour action officielle li l'élite à la tête pays a mais plusieurs juges douté sur quelques détails dans accusation ça yo même yo te fait sur dolly pour procès fédéral là lui-même qui pral fait contre li a
Chop a fait face avec accusation criminelle dans quatre états américains, mais dossier ça lui-même littéral devant juge avant jeudi à ces procès fédéral là dans quatre efforts pour renverser victoire Joe Biden dans course présidentielle 2020 qui était passé à là et bien qui dit qu'il était commettre fraude contre États-Unis et qu'il était chassé tout empêcher gouvernement fait travail li officiel et li te mette pression illégale sous autorité l'état eux-mêmes pour te aider li bloquer certification président ou bien résultat élection qui te fait dans l'année 2020 pendant que ancien président lui-même li clairement li tapito yon décision qui d'accord avec li sous question immunité qui donc protection totale contre pour ces criminels c'est une décision qui t'a retardé pour ces criminels là tout bon pour lui tout et bien côté lui même l'état pour ses résultats pour ça pour après élection dans mois novembre qui va venir là et bien après élection dans mois novembre je suis pas d'accord pour ceci là l'état supposé fini et bien Donald Trump lui même qui continue là les bagarre qui apparaît yo dit vraiment pas bon amène et bien l'a demandé pour ça lui même l'état avancé pays Ukraine dans dossier qui gagne pour avec la guerre qui gagne entre Ukraine yo et ben bagay yo tout yo continue à malmener là dans dernier jour ça yo là parce que attaque yo pas suspend et n'a rappelé dans jour qui sont passé yo là États-Unis étaient bloqué ban comme pour te bay Ukraine et bien selon Moscou yo même yo fait connait que yo t'a frappé un train qui t'a porté zame l'Occident lui même pour te bay Kiev et ben la mais russe l'a déclaré à vendredi 26 avril 2024 là qu'il était attaqué un train dans région Donetsk et bien les mêmes qui trouvent dans l'est Ukraine qui t'a transporté zam l'Occident voyé bay Kiev et bien yon annonce qui fait après une série d'attaques sur rail train les mêmes dans zone Ukraine et bien ministre de défense russe là lui même li publié information sans li pas bay trop détail sur résultat attaque là et bien il dit nous annonce yon frappe sur un train qui te gen zam avec équipement militaire l'Occident ou même tout préville i dash et bien pourquoi il est là c'est attaque qu'a fait malgré ministre là lui même il pas prêt ou bien il pas veut bay plus information sur ça mais il fait qu'on est il fait attaque sous train si là lui même qui t'a porté équipement avec matériel pour Ukraine Ukraine là qui t'a plein côté ti ça te gen fini il pas gen assez force pour camper goumé avec pays là aussi et bien train qui t'a porté bagay ali et bien prend frappe pourquoi il la bagay yo pas trop douce nan mais Ukraine k'ap fait face avec offensive que pays là aussi lui même li continue à faire pour nan l'autre dossier guerre qui gagne nan pays Israël avec Gaza et bien ministre santé Hamas là même yo annoncé qu'il gagne on a fait des 34,356 moun qui perdit la vie yo et bien ministre de santé Hamas là annoncé ça hier vendredi 26 avril 2024 là et bien yon nouveau bilan moun yo même qui perdit la vie yo dans bataille qui gagne entre Ukraine avec pays Gaza yo même côté bagay yo pa paraît du tout bien et bien d'après responsable là les même qui gagne pour avec santé yo yo gagne au total et bien au total c'est 34,356 moun qui tombé dans Gaza dans la guerre entre Israël avec Hamas là et bien qui était commencé depuis la date qui était 7 octobre 2023 qui s'est passé là dans 24 temps yo enregistré 51 l'autre monde nous même qui mourit d'après une note pour la presse ministre là les mêmes ni rapporté et bien tout gagné ont a fait 77,368 monde qui blessé dans plus passé 200 jours qui gessi là les mêmes li éclaté entre pays yo continue à marquer mauvais par là dans dernier jour ça l'autre information que nous porter pour et bien faut connait dossier TikTok là et bien li continue à faire parler en pile dans monde là d'après tout ça gagné et bien c'est toute option légale yo même yo ta échoué et bien pour créer ou bien propriété application lui-même li dit li ta préféré fermer sous marché américain au lieu que lui-même li ta vendre application si là d'après ça quelque chose rapporté by journal route ou bien agence route yo et bien algorithme TikTok là lui-même li utiliser pour le travail considéré comme un élément essentiel pour opération globale Bitdance et bien les mêmes qui a géré application si là c'est pour une question de vente les mêmes li pas probable du tout d'après ça PDG TikTok là les mêmes qui c'est chou j'ai ou les mêmes li déclaré hier mercredi qui sont passé là et attendent qu'il y a gagné
contestation qui eux même ont fait devant la justice américaine pour mander bloquer loi parlementaire voter et puis Biden lui-même l'idée hacien pour ta camper TikTok là et bien d'après plusieurs informations qui circulent là déjà il y a plusieurs pays dans monde là qui déjà mettait interdiction contre TikTok et gain en pile l'autre côté tout yo interdit li ni nan équipement gouvernement et bien c'est parce que responsable gouvernement ça eux même yo dit yo paye pour application aussi là les même qui populaire qui partage vidéo yo et bien pas prend information personnelle ni pirater yo sur internet application TikTok là c'est propriété compagnie chinois Bitdance les même et gouvernement eux même yo fait connait yo gain gros caisse sauté pour information que TikTok les même collecte yo pour les pas tomber dans main autorité chinoise autorité chinoise qui donc coulé en weekend qui s'est passé là et bien congrès États-Unis a venu avec un nouveau projet de loi qui baille Bitdance et bien délai pour les capable dégager les coûts mettre Jean-Jacques pour vendre application avec yon compagnie américaine ou bien autorité américaine yon même yon interdit dans le pays ou bien pour mettre une interdiction contre application mobile ça sur tout territoire américain parmi pays qui mettait interdiction totale sur compte TikTok yon même nous venons Afghanistan nous venons Inde nous venons Népal avec Somalie Australie Canada avec un pile pays européen tout Belgique Danemark Hollande interdit application cela dans téléphone travail. Pourquoi il y a États-Unis les mêmes TikTok là en bas interdiction dans tout appareil officiel agence gouvernement dans plusieurs États américains qui donc dans Congrès les mêmes Congrès avec dans l'armée tout et bien application c'est là les mêmes les pas probable pour sous appareil ça. Pourquoi il y a les mêmes TikTok à cibler côté les capables pas qu'à utiliser dans pays les États-Unis et bien TikTok là fait qu'on essaye pour vendre les mêmes et bien application déjà li pa vanni si gon bagay k ap vini la pritan avèl parce que application pa la li menm yo pa vann est-ce que y ap gen la justice nan pays les États-Unis nou pou konnen menm met application TikTok la li fè konnen ke li menm li pa vann application ki donc application supposé ret la université Columbia rale bak sou ultimatum li te bay élève ki t'ap manifest contre la guerre Israël la université Columbia rale bak li sou den li sa ou même ke li te fixé ayer jeudi ki sou passé à la côté li te bay manifestant en faveur palestinien la nuit avant hier soir seulement pou te abandonné quand yo même sou campus là et ben pendant plus université en États-Unis li même li te chercher empêcher manifestant pour continuer occuper campus yo la police te fait un paquet arrestation dans université en tout pays et ben parfois yo te servi avec gaz chimique et tasse li même pour te capable disperser manifestation contre la guerre Israël avec Hamas là dans pays là bio président Université Columbia qui basé col dans New York pays les États-Unis qui gagne en tête les minouche Shafik et bien les publier en communauté vers 11h07 avant hier soir et bien côté l'été où était des les minouyan lui même pour manifestant été défaite un gros coquin quand qui était gagné à peu près 200 étudiants là-dedans chita causé montrer yo gagne gros progrès et eux même y a continuer Jean yo te planifié côté l'été fait qu'on est yo gen gros exigence pa yo et nous même nous gen pa nous ces déclarations li di côté li démenti université a qui té relé la police dans ville New York sous campus là yon façon pour té camper manifestant yo té coup de pied dans football et ben faut qu'on est gen information qui paraît insolite là ou capable insolite mais c'est vrai Romario lui même qui c'est un ancien joueur brésilien ancien attaquant brésilien qui gagne 58 ans sous tête là et ben l'a retourné comme footballeur professionnel ancien attaquant brésilien qui c'est Romario et ben qui te prend retraite lui l'elle te commencer entraîner bien te retourner monter terrain là dans moment ça là et ben lui inscrit comme joueur dans équipe 2e division dans état Rio de Janeiro dans América pourquoi il est là lycée président actuel club América El Chia et bien Romario lui-même lui
déjà retourné dans discipline sport après 15 l'année après lui même était fin prendre retraite li dans jouet là. C'était dans l'année 2008 joueur brésilien lui même était décidé prendre retraite li comme joueur football et dans l'année 2009 il était après directeur sportif America JV pourquoi il là international brésilien lui même qui était bail équipe nationale pays Brésil la service pendant deux coupes du monde il était fait 5 goals pour aider l'équipe Léa dans la victoire qui a été faite en 1994 là, et bien America J, petit garçon Romario lui-même qui était Romalinho, et bien lui-même lui jouait tout pour America J et lui participait dans l'entraînement ensemble avec Papal. J'ai dit avant qu'il était 25 avril 2024 là, Romario déclaré pigou objectif. Moi ici là c'est une opportunité. C'est pour me jouer ensemble avec petit garçon et ben moi t'étendé moi t'ai liké et ben non seulement dans football là mais en pile athlète qui objectif ça moi veux faire tout le monde comprendre que moi pas jouer que moi pas jouer dans championnat l'idée c'est jouer quelques minutes dans quelques matchs parce que bagaille qui plus important pour America dans compétition ça c'est situation technique là et pour nous ça doit entrer avec plus force comme moi toujours dit li met difficile nous doit champion 2e division pour nous ca jouer dans plus haut niveau dans championnat Rio de Janeiro. Et bien Romario tout devine tout un sénateur dans pays Brésil et puis il était dirigé investigation congrès et bien sur corruption qui était gagné dans football brésilien et il y a des monde qui a posé question est-ce qu'il retourne dans football là pas pour empêcher le travail comme sénateur jouer pas empêcher dans aucune façon travail moi dans sénat c'est un travail moi a fait depuis 13 l'année nous même qui vraiment connaissons nous qui vraiment suivre moi et bien c'est travail sérieux que moi même m'a fait travail qui dédié à cause qui important en pile qui donc en pile monde dans la vie monde et bien yo même fédération football Rio de Janeiro yo confirmé inscription Romario comme joueur et bien li ajouté qui pral recevoir un salaire minimum qui pral pour club là Romario te fait plus passer 70 matchs pour pays sorti dans l'année 1987 pour arriver dans l'année 2005 et lui même li te fait 56 goals. Il a joué 4 fois avec Vasco da Gama et il a joué tout pour Flamengo avec Fluminense dans le pays Brésil. Il a joué pour FC Barcelone avec Valence dans le pays Espagne et puis il a joué pour PSV Eindhoven qui trouvait lui-même dans le pays la Hollande. Il a joué pour 58 ans, il n'a pas attendu la retourner prêt à Paul pour la jouer dans l'équipe 2e division côté lui-même c'est un monde qui fait partie monde qui a dirigé staff équipe ça comme mettre est-ce qu'il est capable bon c'est choix mais Pablo Romario qui 58 qui prend coupe du monde deux fois dans la ville et bien la retourner prêt à Paul pour aller jouer football une autre fois encore. Donc c'est là que nous mettons fin dans la vidéo nous pour aujourd'hui. Un grand merci avec vous-même qui t'a regardé vidéo ça jusqu'à la fin. Pas oublier une première façon que vous capable ou capable faire sentir travail n'a fait arriver sur vous c'est le quitter un like sur vidéo et le abonner avec channel là tout. Pas oublier activer la cloche notification mettre le sous toute une façon pour YouTube capable toujours notifier à chaque fois que nous poster une nouveau vidéo pour sur channel ça. Partager vidéo avec vos amis, vos familles, une façon lui même pour capable joindre information à tout et comme ça aider nous grandir communauté channel là. N'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable chercher information à quel que soit côté lié à l'aile passé à pour nous porter pour pas oublier sur channel ça nous pas fait information mais nous bail information Jean lié à dans n'importe là et bien ou pas regrette même une seconde côté t'es abonné avec channel là parce que n'a fait tout ça qui dépend de nous pour nous capable que vous informer sur channel ça quel que soit nouvelle là Haïti ou à l'étranger et bien ou a besoin ni sur channel ça sans retirer sans mettre. Eh bien, n'ap di au revoir tout le monde. N'ap revoir encore dans une prochaine vidéo, dans un titre qui pas trop long sous même channel ça.